Welcome to Candid Creoles, where we elevate and celebrate Haitian excellence and friends. And today we have with us someone who needs no introduction, serial entrepreneur and former Prime Minister of Haiti, Laurent Lamothe. Welcome, Laurent, and thank you so much for being our guest today. Thank you, Isabelle. Thank you for having me on the show. I appreciate that. Appreciate that. And our content conversation are usually in English because I live in the United States and we really targeting the audience that is not just the one in Haiti, the one in the diaspora, and also people who are friends of Haiti. However, from time to time, we do add a little Creole flavor and some French as well as the guests want. So that's really how we do it. So I'm going to start that makes by... sense. Okay, perfect. I'm going to start by sharing what our group is about. I don't know how much you know about us. It's actually stemmed for a private Facebook group that we have. And now that Candid Creole is now, everybody wanted to take it to the global level. So we are now studied Candid Creole. And it's really after something was said about Haiti that I was not happy about. And I said, you know what? If somebody is saying things negative about Haiti, others may be thinking it and not saying it. And therefore, we need to start the conversation about us and look in the mirror in order for us to change the narrative that the world has about us. Because you can only start by looking at you, right? Absolutely. Which actually leads me to the quote that you started your book with. I think there is a parallel here. And in the quote on your book, The Hands of a Prime Minister, you started to change the culture of a country, you must first change the culture of your own house. What That's right. propelled you to use that quote to start the book as with that quote? And what does it mean to you? Well, basically, Isabel, it means that if you want to change a country, you need to change yourself first. You need to know what you're about, and you need to know what you're going to bring to a family, to a business, to a country, to an institution, to a church. You know, you just need to be a role model in what you're doing. You need to preach by example and be the example that you want people to follow. And that's what leadership is all about. That's what, you know, leading people, building consensus. That's what it's all about. Yeah, and I totally agree with you because that's exactly what we start, why we started the way we started. We say, let's look in the mirror and see what can we change from us and in the world will ultimately follow. And that's you're right. In your book, and I want everybody to know, it's on Amazon, so please get it. It tells you everything about the hands of the Prime Minister. And you talk about basically how Haiti was when you were the Prime Minister of Haiti and how you wanted to be close to the people and get to know the people and see how the people live and what can be done in Haiti. So first, the Haiti that is today is not what was there in 2014, 2012 to 2014. So why do you think Haiti is where it's at today? Well, unfortunately, it's a series of missteps, bad decisions, and lack of continuity. And that has been a problem that has plagued Haiti throughout, you know, since our independence. I mean, you know, it wasn't until the 1860s that we've had a president that actually completed his term. From 1804, we either had presidents either assassinated, like our great emperor, Jean-Jacques Dessalines was, in 1806, or they either died in power, or they were overthrown, or something happened. So one of the biggest, I mean, if you look at the situation today, you have to go back till before the independence to see some of the issues that Haiti has faced, and that we, as a new generation of Haitians, as a, you know, as the youth, as, you know, as people, you know, that want to see our country do better,
we have to understand where we're coming from to see where we're going. And we come from a past of political instability, turmoil, lots of blood has flown, unfortunately. And it's been a situation that brought us to where we are today. So what changed is basically what's happening today is nothing new than what happened in the past. If you look at the history of Haiti, that's what's been happening. So when is that going to stop? When is bad governance? When is violence? Violence against each other, against us Haitians. When is that going to stop? Yeah. And until we understand that Haiti is our country, Haiti is yours, Haiti is mine. It's just as mine as it's yours. And it's as, you know, from the richest to the most vulnerable, mm-hmm. men and women. The day that we'll understand that this is a country that we cannot keep hurting the country, then that's the day of reckoning to see that this is going to be, you know, a better place. And that is the only place that we really can call home. You know, here in the US, in France, wherever we are, the diaspora, it's good. You know, you have a place, you have a job, you get a 9-to-5, okay? You get a career, you go to college, you do something. But you know what? There is always something missing. That little home, that's right. Something is always, you know, in that heart of yours. Something is always missing, and that's home. But it's time to understand also that home has to be preserved. So I gave you a long story to come to the conclusion and tell you, look, what's going on now is totally unacceptable. We have a situation where we have kidnappings like we've never seen before. Yeah. We have insecurity like we've never seen before. All the hospitals of the country are almost closed. Schools cannot open. We have a this is a disaster. By no matter how you look at it, it's a disaster. Gangs have taken over the country. And it's a result also of bad security policies in the past, I would say 30 to 40 years, because we've actively negotiated to break our security services, whether it's the police. You know, we abolished the Haitian army, which was a huge mistake, and we're seeing it today. And we're paying the price. We're paying the price today. Nous payons nous vivons les conséquences de nos inconséquences aujourd'hui. Mm-hmm. Mm-hmm. And it's really sad to say. I put in, you know, countless hours in trying to restore security, in trying to make the country safe. You know, we were at zero kidnapping. And then to see a few years later, to see where it's at today, it's very frustrating. I'm not lying to you. It's very, very frustrating. And something has to change for the better, hopefully soon. Yeah, I can only imagine when you were prime minister, you did so much for the security of the country to bring, because that's what we need. Without security, there is no stability. You cannot build stability. And pour ekouni an kote nou rive nan point sa, it's like ki point ki pi mal ke nou kabale, parce que li pata suppose kon sa. And when you talk about there's been so much blood, and I also want to acknowledge that you've been very vocal about the lack of progress in finding who's responsible for the assassination of President Moïse. And oh, yes. Do you think it's something that's going to be solved ever? Well, it's going to be solved. Although it's, you know, justice, bon Dieu, c'est cabouet bœuf. Ça veut dire son justice qui a pris un temps, son justice qui a blanc, son justice qui parfois, ou bien de après, c'est le pas privé, mais cabouet bœuf là toujours arrivé côté le Brésil. Donc c'est une question de temps, et il faut donner le temps au temps. C'est mon bagage à faire demain matin, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt en jeu. Mon paquet de monde qui part les affaires, mon paquet de monde qui s'est menacé. Mm-hmm. Mais, mes amis, kap gade choua la, pou gen un président de la République en 2021, un président de la République, pou malandre entre la ka yon président, mes amis, 2h du matin, fusillé nèg la, et puis, ça passe comme une lettre à la poste. Yeah. Tout moun ap di, mais Laurent, pou ki sa ou mèmwa,
oui ça bagay ou paquet gros sousoune ça bagay faire attention ceci cela même parce que faut qu'on monde dans la vie faut qu'on position faut qu'on position parce que il y a des bagay qui inacceptable pour une nation pour un pays que nous les pays pour que yo fait un président ça et puis tout le monde rete bouche bée personne pas dire rien il pas normal donc c'est pour ça que Isabelle même a décidé pour que nous venions avec hashtag justice pour Jovenel là. Et hashtag ça, il représente un symbole de résistance, de combat pour que, pour la vérité, capable jaillir. OK? Parce que la vérité a blaï tout côté pour tout le monde comprendre ce qui est passé. Parce que demain matin, Haïti va avoir l'autre président et même pas la brèche. C'est ça. Donc si nous ne comprenons pas ça comme Haïtien, que nous ne voyons pas ce qui est passé, là, on finit chez Jovenel. Ou pas, Isabelle, quel que soit mon nous rencontrer aux États-Unis, à travers le monde, ou dire où c'est haïtien, on a dit, mais qui problème qui y en a Haïti là? Ça qui passe, président. Ça veut dire, c'est ça qu'on a changé. Donc, tout le temps, on va résoudre problème ça, pour famille, pour honneur pays, pour dignité nation. Yeah. Eh bien, nous prenons toujours un pays qui déchiré. Parce qu'il faut qu'on réconciliation avec, entre haïtiens. Faut qu'on on chita à parler qui fait dans Haïti. Faut qu'on réconciliation qui fait. Parce que bah continue comme ça. Yeah, et définitivement parce que quand comme toujours dit maman était toujours comme ça, dit ça pas un prier pas un amen. Donc éventuellement faut nous joindre une solution parce que dans qui point pour arriver pour pas une solution comme ça parce que l'homme appelé dans livre m'a regardé et par exemple grand monde que co-auteur t'es conversation avec lui la parler de comment il était qu'on traversait de l'eau le paquet pont et donc et c'est papa lui qu'on mettait sous épaules papa le mettait sous épaules pour traverser de l'eau ça fait me songer on le même parce que moi j'étais élevé à Haïti hein et nous t'apprends les potes à piment et puis nous t'es prenons gros la pluie et puis grand côté route l'arrivée machine pas passer et puis c'était grand bon gros monsieur dans zone là à l'époque bien sûr Haïti était nous pas peur monde ça on connait aussi ouais on t'a peur parce que ou étranger camper beaucoup de l'eau t'a demandé ça pour faire et monde qu'on pas connaît yeah bon connait monsieur ça dit qu'a traversé nous ce connait ça il fait yo mette nous so nou sorti dans machine yo dit faut nous quitter machine là il a traversé machine là il a traversé nous et puis yo mette nous chaque sous épaule yon et puis qu'on y a on pile là-dedans yo prend machine là yo lever machine là pour pas mouiller yo traversé non de l'eau t'a coulé à force. Donc c'est haïtien ça yo que nous payé longtemps nous on moun gen besoin nous paraît nous aider li et puis qu'on y a pour pas gen ça encore donc je m'excuse. Mon père. Oui. C'est père. Mon yo bon insécurité a fait tout le monde peur, tout le monde pas à l'aise. Mon yo pas à l'aise, c'est ça qui passe. Yeah. Mais l'homme garder tout ça qui causait insécurité parce que même moi qui était époque des choucages et m'a dit que bagaille ça son bagaille qui commençait avec des choucages et puis chaque temps vient prend l'autre forme et puis il vient arriver côté hier hein. Donc l'homme a regardé comme s'il me dit et que ça qui cause c'est moun yo comme si kounia yo prend bagay qui pi important pour tout monde sécurité youn nan bagay qui pi important pour tout monde sécurité yo prend li yo empêcher yo couper ressources yo empêcher moun yo gen accès à ressources ou bagay sa yo et puis wap gade bon yo même ça fait yo réagir comme ça yo té nan point ça peut-être yo wè que yo pa gen le choix et bien que c'est criminel parce que même si pa gen le choix pas obligé tourner en criminel pour chercher pour être significant to others so you force absolument you brought force to the country specifically in Port-au-Prince et pour to find your own significance and that's not no way to resolve this and this going to end at some point absolutely donc it's a pleasure reading your book because it shows me actually section of Haiti that I have no idea existed so, and you have it in Creole in French and in Spanish why do you have the three languages parce que bon c'est langue ça que me parler. Et donc, ou gen en français, anglais, espagnol et créole. Donc, je voulais faire la langue que je parle. C'est quatre langues que je parle. Donc, je traduis la langue que je parle. Et moi, j'ai un pile de travail, enfin, traduction créole là,
lui-même, c'est les gens qui font le moyen, sont les gens qui ont poussé la langue créole là en pile, et qui travaillent en pile pour pousser la créole là. Ma préserve est non-li, parce que je ne dis pas que c'est non-li. Espagnol là, tu pas oublier que papa c'était un institut de PDB en Haïti. Et jusqu'à présent, l'institut de PDB a ouvert. D'ailleurs, nous avons travaillé là pour nous faire un institut de PDB en ligne. Nous avons mis sur Internet pour tout le monde capable d'apprendre espagnol. Ou même Isabelle, si vous voulez améliorer, si vous voulez parler par eux, mais vous pouvez aller dans le PDB online pour prendre des cours. Parce que vous connaissez l'espagnol, la seule langue qui est très importante à travers le monde. Il y a plusieurs pays qui justement des hispanophones. Donc développer mettre dans ça, et puis bien entendu français, et puis anglais, parce que finalement anglais a ses premiers mais deuxième langue haïtienne, parce que il y a tellement haïtiens qu'on est à la États-Unis dans la diaspora qui parle anglais que anglais a été doué venir de nous langue officielle en Haïti, même j'avais créole avec français. Moi quand on dit ça, dit anglais qu'on est à plus que français. Bon, ouais, moi dis ça tout, moi dis parce que et koko timoun, nge twa timoun, malheureusement, yo pa parle créole. OK? Mais et moi dis ça, et ça c'est faute moi. Totalement faute moi, si m'étais capable retourner en Haïti, m'd'a pas apprendre yo li parce que kounia moi e wè la. Mais li pas facile, koko gozan min ki di, you have to choose your battle. Et bien dit OK, then that's the battle I'm not choosing. But moi dis ça parce que moi ouais que j'ai poussé créole là kounia, m'di si yo t'es capable pousser anglais en tout, li ta bon. Parce que tellement de haïtiens qui en dehors de pays qui parlent anglais et puis anglais en son langue qui tellement parlé dans tout presque tout côté, donc il t'a vraiment un avantage pour les haïtiens si tu parles trois langues ça. Oh oui, absolument. L'étape essentiellement, l'étape excessivement de garder important. Excessivement important pour que haïtiens capable apprendre anglais. Parce que il y a tellement de monde qui voyage, il y a tellement de monde qui est dans le pays anglophone que ça fait sens pour monde parler anglais et apprendre anglais. Parce qu'il y a un problème, il y a une tragédie qui est en Haïti tout et qui mène avec le problème que nous avons aujourd'hui. C'est le système éducatif là. Ah ouais. Par exemple, nous venons avec que ou bien des professeurs qui apprennent en français avec des livres en français pendant que le professeur lui-même ne parle pas français. Donc, si le professeur ne parle pas français et puis l'a enseigné en français avec des livres qui sont en français, c'est-à-dire, l'imène de la robe n'a pas besoin de Timounio. Imagine Timounio qui a essayé d'apprendre ton pédagogie d'un nègre qui va parler langue. Où est-ce qu'il s'en prend là? Parce que l'éducation, c'est l'imène. Tout bas, ça vient beaucoup corriger. Tout bas, ça vient beaucoup corriger. Et ça a contribué tout à l'aspect que le pays a vivre aujourd'hui là, qui sont aspects d'un manque de civisme. Ça veut dire que mon après assez brisé, bon, là, il ne pas comprendre que. C'est bon là, quand il a crasé, c'est business amis, c'est business frères, c'est business cousins. Il a crasé. Il a entré dans le market, pillé le market. Mais par contre, qui est fort, propriété market l'a fait pour le cas font business market. Donc, tout le monde, son manque de service, son manque de. Son manque de. Et puis tout, il commence dans l'éducation. Question crasé, brisé à son bar qui. Mais en Haïti, il a crasé, brisé pour un pile, on a. Eh ouais, c'est ça, il a crasé, brisé. Des choucages, c'est cela. Des choucages là. Pas doué une expression politique pour passer son message. Parce que l'on a crasé, c'est le vivant, c'est et construire. Et année que propriété caille ou bien machine travaille du pour acheter une machine. Et bien, yo boule machine. On moun, yo crasé vite machine moun. Est-ce qui a été problème, ça va? Donc, tout le monde, il commence dans l'éducation. Et l'éducation, c'est que il y a une glorification qui fait. De violence là qui vous suspend. Faut que nous glorifier succès. Par exemple, nous avons pas qu'un artiste, par exemple, pour être comme Mika Ben son succès international. OK, il y a plusieurs monde dans Mika Ben. N'a pas un choubou, Tabou Combo qui a allé jouer au Zénith, fait Haïti fier de aller au Zénith. Ou bien Wyclef Jean qui met Haïti qui porte des drapeaux pays là. Monsieur Alain, nan Grammys avec des abois haïtiens sous la langue Coupe du Monde. Ça, c'est fierté. Mais Kounia, comment vous capitaliser sur ça? Comment vous continuer à construire sur ça? C'est ça la grande question. Comment vous ne pas voir Haïti montrer un jour et puis demain, dans la télévision, c'est déchoucage, c'est pillage, maquette, c'est caoutchouc dans la rue, etc. Ben, ça,
ou gon déficit de nan pays qui énorme et qui cause que pays a dans état ça journée jodi a parce que étranger qui a venu qui investisse qui a venu mettre cob dans un pays sou, si on connaît que il ka construire un bagage de cabou le lever après pas gen raison et moi dit ça tout le temps moi dit que raison en pile moun a fait ça y a fait en ce monde d'éducation parce que yo pensais y a peur l'autre monde c'est tête y a peur. Mais vous pas comprendre lui, vous pas comprendre conséquence de ça y a faire. Parce que sinon parce que si pays en t'a marché, donc pile monde qui a souffert pas t'a souffert. Mais c'est clair. Et m'a dit bagarre et c'est là qu'ouais et c'est là qu'ouais tout. Côté que manque d'éducation affecté pays là. Et c'est là que pour ça commencer. Ça veut dire que faut mais faut commencer par éduquer tout monde dans une langue que vous comprenez. Mais changement ça c'est mon changement qui a fait dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, soit changement son génération pour faire. Là prend 20 ans pour changer. Pour changer ça qu'a fait dans pays. Faut mettre 20 ans faut embrayer. Faut embrayer sous chemin progrès, chemin développement dans 20 ans pour en différence. Parce que vous faites 200 ans écrasé. Donc on y a là, ben c'est que tout le monde ouais, clair, il veut que écrasé pas bail. Écrasé pas bail. Il bail des personnes. Donc on y a là, on met des têtes nous ensemble pour nous construire. Yeah, définitivement parce que l'organe et si mon yo te comprendre gonse le bagay yo pa t'ap faire. Et puis gen et nan plateforme ça que nous gagnons, gen en pile moun que moi gen Candid Conversation avec yo qui a essayé faire un changement nan côté au capable. Gen l'école, gen moun ki aide l'hôpital, gen moun parce que et l'hôpital général y a dit problème l'hôpital lan gen moun a fini yo pa capable jwenn médicament parce que yo pa gen kòp pou achetel. Yo di moun nan besoin tan fò moun nan kounye di fò moun nan pou al achetel. So yo aide fè bagay sa yo. So gen pile moun k ap eseye fè mais of course fò gen sécurité yo pa même kab ale ankò kounye. Ou comprenn so tout bagay sa yo kanpe pou an pile pou pèp lan. Et peuple en besoin bagay sa yo. Donc et so di an son bagay k'ap pran tan, son bagay k'ap pran tan. C'est et pour en parler aussi de fondation ko kreye sou non papa ou Louis G. Lamotte et mwen wè ke ou mete fondation ap kreye stratégie pou fon changement en Haïti et jusqu'à kou gen wè nan 2045. Est-ce que are you on track to see those changes that the foundation is working on? Bon, ça me commencé à essayer de faire la fondation. C'est de concentrer nous sur un village, faire un village intelligent. Donc, mettre énergie renouvelable dans le village, non? Mais construire l'école, ok? Et construire l'école digne de ce nom. Et construire une cafétéria pour bâtir mon manger. Créer de l'entrepreneuriat. Donc, ça me fait nous créer des partenariats. Entre paysan qui nan zone nan panyol et market yo donc te gen des partenariat donc moun ki te planté patate planté manioc planté carotte et betterave et bien yo te ka revend légumes sa ba au market ki te créé une petite activité l'argent dans village mais bon j'en dis là n'est obligé enfin depuis presque dégadi un an et demi deux ans obligé freeze parce que avec situation sécurité il y a pas marché il y a pas attaqué machine il y a pas attaqué monde dans la rue toute la journée kidnappé monde tout monde pas donc ça obligé font camper sur ça donc on a une situation bon accalmie pour que nous reprenons activité fondation. Yeah, on ka comprendre parce que c'est pas ou même seulement c'est comme d'hab dit en pile monde que me parler avec qui dit obligé camper sur toute bagarre obligé camper parce que pas pas insécurité puis capable pas rentrer ou pas voyer monde ou pas faire rien sur toute bagaille camper et projet ça aussi projet qui nécessaire oui situation très critique très critique et bagaille ça est tellement nécessaire pour survie pour survie peuple hein. Parce que l'on a regardé et si monde pas capable joindre aide pas capable joindre manger pas capable joindre une opportunité pour capable créer un business peut-être yo pour gagner un monde que moi té et Pierre Moïse que moi té gagner sur plateforme ça li même beaucoup sali entreprendre c'est pour empêcher moun yo couper bois parce qu'on connaît nous besoin ça et puis li même li gagner un but pour li planter 5 millions pieds bois en Haïti. Et j'en li aide moun yo pou yo pa coupe pied bois, li fè planter l'âme véritable
et puis kounye yo pren fouyen, yo fè business avèl. Yo fè on bagay avèl, so yo pa ka koupe pye bwa sa yo. So se poti sa ke l'entreprendre, mais kon pou di tout bagay yo difficile, parce que di li même la va prendre moun yo. Like they say in English, I'm going to teach you how to fish, I'm not going to give you the fish. And c'est ça nous besoin Haïti. Et c'est ça nous besoin Haïti. Yes. Donc c'est vraiment bien pour moi que tout effort que on a fait parce que m'ai quitté Haïti longtemps, m'ai quitté Haïti sous déchoucage comme on dit. Donc moi connais en de nom, même pas connais en pile de travail ou qu'on fait et tout ça. Donc m'étais vraiment impatiente pour m'étais capable de conversation avant après me finir les livres là. Donc moi dit bon, c'est définitivement m'aimer connait parler de ça avec vous. Et puis moi ouais tout ou sont un entrepreneur aussi. Et you have a video blog called Innovation Zone. Tell us about this. Bon, Innovation Zone, là, c'est nous faisons avec Naomi Blémio et puis nous avons plusieurs invités, des jeunes, des monde qui évoluent dans le secteur technologie, dans le secteur internet, en Haïti et à l'étranger, parce que nous devons les mettre en relief. Et bien, tout entrepreneur technologique yo, qui réussit. Et puis pour être capable de partager. Pour être capable de contribuer connaissance avec jeunes, avec auditeurs, auditrices, capable garder show, capable apprendre sur les nouvelles technologies telles que le NFT, le métavers et en fait une série de topics que nous gagnons, de show nous gagnons sur des thématiques spécifiques, mais qui contribuent dans l'éducation, monde cap et capteur des choses. Donc, nous devons faire un sens éducatif, un sens pour aider les gens à comprendre la pointe de la technologie et comment ils peuvent se retrouver dans le futur économique mondial. Là. Parce que nous ne sommes pas obligés de bloquer tête nous. Donc, côté, nous avons connecté avec Elon Musk, ils sont en Afrique. Nous sommes venus aux États-Unis pour aujourd'hui dire l'homme le plus riche du monde pour ça parce qu'il n'a pas bloqué tête en Afrique. Je lui ai dit qu'il a cherché son vie meilleure. D'abord, je suis dégagé, puis je suis dégagé, puis je suis sorti du mur, et au monde qui a fait bagaille. Donc, c'est ça. L'idée, c'était pour contribuer, pour permettre à tout le monde de connaître les nouvelles technologies, de comprendre qui est pas que ça gagne pour eux, et puis pour permettre d'enrichir tête tout. Yeah. Donc, leur bail ou information, ce qu'on sait eux-mêmes qui a un choix, puis elle prend information, puis elle applique. Exactement. Parce qu'on comprend, dit, Elon Musk, ils sont en Afrique, ils sont en Afrique, le Canada, ils sont au Canada, ils viennent, ils sont aux États-Unis, puis bon pour lui. Donc, ils sont allés côté, capable de construire ça. Ils vont chercher la vie. C'est ça, oui. Yeah. Et c'est ça. Et nous tous avons la même opportunité, hein, si nous voulons prendre. Absolument. Si nous voulons prendre. C'est clair. Moi connais gain plusieurs business est-ce dans que ou t'es commencé co-founded if I want to speak English and so you want to tell us about what you working on right now besides the innovation zone? So I'm working on I have a tech company. I have basically a fund that invests in startups in Africa and the idea is to identify, great ideas that can change the world, ideas that are game changing for an industry, such as, for example, kounya lo pa sa industry hotel ou pa pa se a Marriott ou pa pa se a ça ou pa se a Airbnb. Lo pa se de par exemple sou dans New York City ou pa long restaurant ou pa pa se ou pa prend taxi ou pa se ou pa prend Uber ou pa prend Lyft. Mais tout le monde, c'est technologie qui fait ça. Donc, moi-même, ça me fait investir un peu dans des startups technologiques pour justement être capable. Et moi, c'est qu'on investit dans 15 compagnies et technologies de l'année dernière. Et de banque digitale à tout ça qui est, par exemple, logistique, compagnie logistique. Et compagnie, par exemple, même genre avec DHL, mais DHL local en Afrique. Et d'investir dans un petit compagnie taxi moto au Mali, dans une banque digitale en Afrique du Sud. Donc, il y a différents investissements qui font. Et puis, tout, là, on a travaillé sur le projet, mettre l'Institut de l'OPD Vega en ligne pour étudier capable d'apprendre l'espagnol.
Mais tout ça, c'est notre technologie de mettre tout bas en ligne pour que justement, les gens puissent bénéficier de l'économie numérique, ça. C'est ce qui a fait sur Internet là. Parce que Internet là, c'est là-bas qu'il a fait. Yeah, définitivement, parce que Internet l'a connecté nous toutes. Il vient faire Absolument. Et puis, Internet vendredi. là-bas, on ferme. Oui, Bon, bon 24 business sur heures. Internet. 24 sur 24. Yeah. Ou pas Et femme un Zoutou, jour off. l'homme. Yeah, définitivement. Femme Zoutou et l'homme était dans 6e secondaire à Haïti, dans l'OPD Vega. Oh, Et bon parce que. bagage. Yeah, donc, et Madame Oriol, c'est l'équipe de professeur de l'école, de l'école c'est professeur d'assises. Et puis, donc, parce que l'été femme vraiment aimé et Poyol, ok? Donc, nous allons l'OPD Vega pour m'apprendre, même pas papa l'a vraiment Poyol, non, parce que je pas capable. Parce que Ah, je vais non, continuer. faut pratiquer. Oui, il faut pratiquer, il faut pratiquer, il faut Oui. retourner, recommencer à apprendre. Il y a pas encore eu de ou pas parler en langue, oublier, elle, sauter qu'on est oublié. Même pas de faire assez longtemps, tout, pas de faire assez de temps, malheureusement, tout. Même son langue que vraiment aimer, son langue que vraiment Ah, aimer. son Et belle puis, langue. il est facile à cause de, pour tout temps, c'est à cause de base français, hein, il est plus facile pour comprendre, lui, même si on n'est pas capable de répondre au monde, mais on doit parler de mon côté, mais capable de comprendre certaines Tout choses. à Donc, fait. c'est vraiment bien. Donc, pour qui ça investissement aussi en Afrique, dans le faire, compagnie là. Bon, parce que, pas oublier que le mal dans l'université, je quitte Haïti, je quitte Haïti, mal dans l'université, mal Miami. Et puis de Miami, je fais maîtrise en sciences politiques. Et puis après, ça me fait maîtrise en MBA en management. Et puis, nous avons une compagnie qui est le Global Voice en 1998, qui commence avec un seul pays, c'est Suriname. Et puis, nous continuons à quitter un service téléphonique. Donc, pour raccorder pays Suriname à l'époque au reste du monde, mais principalement avec deux opérateurs téléphoniques nord-américains. Donc, par exemple, si vous avez un téléphone AT&T ou bien T-Mobile ou bien Sprint ou après, il est au Suriname, eh c'est nous qui faisons connexion à l'appel là. Donc, ça, c'est pour ça que nous avons commencé. Ensuite, nous avons quitté Suriname, dans le Guyana, de Guyana, dans le Jamaïque, de Jamaïque, dans le Trinidad. Trinidad, qu'on a là, des grands amis qui étaient Côte d'Ivoire. Et puis, nous avons fait une introduction à Côte d'Ivoire. Nous avons commencé Côte d'Ivoire, nous faisons Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, Sénégal, Gambie, Mauritanie, Niger. Ensuite, nous faisons Niger, Togo, Bénin, Ghana, Nigeria. Ensuite, nous descendons Cameroun. Et puis, nous descendons. Et puis, jusqu'à ce que je vienne démissionner en 2010. Et nous étions dans 45 pays en tout. Mais principalement en Afrique. Parce que c'est là pratiquement que, comme nous savons, puis l'affinité en Afrique et l'osso haïtien. Et gagne plus l'opportunité parce que Africain identifié avant, Africain ouais autant qu'on est égal, pas aucune discrimination parce qu'on soit ici, même ça dans pile l'autre pays. Donc Afrique là c'est ton pays qui t'est ouvert deux bras, c'est ton continent pardon qui t'est ouvert deux bras et bah non et qui continue à faire. Donc moi-même c'est là toute carrière moi, de Gadi. Et bon bien entendu je toujours dans va-et-vient avec Haïti, parce que, bon, quand même, il y a un institut en Haïti, donc il y a un peu d'activité, donc il y a toujours un faire va-et-vient avec Haïti, mais principalement, les télécommunications, c'est en Afrique que nous faisons, et dans les Caraïbes. Donc, D'accord. c'était une continuité logique de l'homme qui était politique. Là, je me tourner dans la carrière, je me tourner dans mes premiers amours, comme on dit. Pour me continuer à faire ça, me commencer à faire. Absolument, absolument. Mais qui ça que t'es fort quitter premier amour ça pour aller en politique? Bon, ça, c'est une excellente question. Ça que tu fais, c'est après tremblement de terre, forme de ça, mais tu es avant tremblement de terre en 2009-2010, c'était la meilleure année que j'ai jamais gagné dans la campagne. C'est-à-dire que nous t'es premier compagnie en Afrique qui l'a affilié en 54 pays. Donc, c'est pas ton bas simple que le dé. C'est ton un pile travail qui t'est mis, que nous t'es obligé de mettre à terre. Un pile travail pour nous mettre compagnie à nos niveaux que le dé. Je veux dire, la compagnie a fonctionné en 10 pays. Mais, premier sac que t'es fait, qui t'est lassé, pratiquement, une opportunité. Et après, là, je me suis gradué, je me suis gagné un diplôme, même
ça me va faire, est-ce que m'a tenu le travail en Haïti dans l'OPD Vega, est-ce que m'a pris une compagnie internationale pour me retourner en Haïti de temps en temps, et c'est ça que je me décide de faire. Donc, je décide de créer une compagnie sur l'échelle internationale qui travaille, qui travaille principalement en Afrique, dans le secteur des télécommunications, dans le secteur principal des communications internationales. Ensuite, tout ça, je devine faire nos pins longue distance. Nous devine faire aux États-Unis. Et nos pins, lui-même, et à l'époque, nos pins. C'est responsable commencé. De nos pins. Je ne suis pas responsable, même de un investisseur. Un investisseur. Oui. Donc, l'un des faits nos pins. Nos pins, c'est un petit endolide. Nous devons commencer avec peut-être 10 personnes comme ça. Mais nos pins, nous avons allé à la l'université de 600 000 clients. Yeah. Donc, nos pins, nous devons vraiment un bon bagage de travail et dans la communauté. Et puis, bon, l'un nous devons quitter la question politique. Là. Mais principalement, bah, ça, c'est après le moment là. Et le mwè dega ki te gen, le mwè soufrans ki te gen et nan peyi a, et puis bon, te gen Matéli à l'époque qui te décide lui-même à aller dans la politique, et puis il te mandé accompagner lui, vini d'el avec connaissance et expérience que m'te acquéri à niveau international, surtout dans la gestion d'un compagnie multinationale. L'idée juge pas grand pile haïtien qui te fait ça. Pas grand pile haïtien qui te gagne expérience gestion d'un niveau que nous défait là. Et il te dit, OK, venez de nous, donc je t'ai accepté. Venez de l'imaginer. Imaginez que mon compagnon que je commence à zéro. Et puis compagnon arrive dans un niveau pour nous aller. Après, tel même temps, nous avons des gars qui me dit, bon, OK, nous allons aider, nous allons contribuer. C'est ça que nous faisons pendant un petit temps que nous défait. Nous aider, nous contribuer. Et même pas qu'on ait une politique haïtien, ton politique majeur d'homme comme ça. Oh. Parce que son politique manger d'homme net, politique en général, même pas qu'on est dérivé dans le niveau ça. Et surtout pour des bails misqués, pour des intérêts personnels, des intérêts de troupes, vous comprenez? Donc, pas qu'on est parti ça. Mais m'apprenne un pile de lit, m'a regrette tout, parce que bon, m'a regrette que l'on servi le pays, surtout dans le contexte de là. Et m'a c'est que nous défendons différence. Nous faisons une différence parce que le pays a un pays qui a un pays qui a un pays qui a un pays qui a un bas de com, qui a un bas paille. Tout le bas est écrasé et le jeune de remettre deux ans et demi. Après deux ans et demi, pratiquement un an. Je dis un an et demi parce que dernière année, c'était plus dans un, que nous devons donc vraiment c'est un an et demi de grandir que nous faisons. Focus sur gestion. Sur gestion pays. Sur gestion pour eux. Oui. L'autre, eh bien, t'es tellement de gens qui ont été tellement de gens attaque, tellement de gens saleté, de gardi, des attaques de des attaques internes, que ça devine comme si Ndadou était venu retirer sur focus pour nous garder et exécuter et délivrer marchandises là. Oui, parce que l'or qui était en se resign ou resign, et c'est ça nous t'a parlé, et m'pas qu'à comprendre ça, Haïti, l'homme ou monte, ou pas qu'à quitter le fin fait terminer. Et y a toujours un problème pour y paraître, et en position paraître, et monter tête peuple pour y faire moun resign, ou bien pour y demander pour moun aller. D'une façon. Bon, bon imagine, on est capable, c'est pas ni peuple, c'est pas ni peuple, ni parlement qui te fait. C'était même mon pouvoir qui m'a démarré. Donc c'est eux même je t'ai jugé probablement que me t'ont changé dans pour eux. Me pas quitter fonctionner j'ai envie de fonctionner. Donc je viens m'a démarré ce que même pas jamais m'a jamais vinn des job. Même c'est idée me deviner bien. OK, me deviner idée, me deviner contribuer, me deviner font partage de connaissances dans ça me connaît eux. Même pas jamais m'a des job, pas jamais demandeur. Donc là dit bon et j'ai pas là on fait travail ou merci beaucoup OK n'oubliez pas que même aller parce que pas là avec des monde qui ont même moi mettre au pouvoir absolument c'est meilleure chose décision pour être capable prendre meilleure décision parce que si job va faire il pas apprécié donc pas une raison pour arrêter absolument exactement voilà yeah and in your book The Hands of Prime Minister you Sean Penn
who did so much for Haiti after the earthquake. He's the one who wrote the foreword. What was the experience like to work with him, to have him as an ambassador in Haiti to help so many Haitians? Bon, mais même des on bagarre, mais ouais que vous voyez, là, j'ai un pays qui soit si abondablement terre, mm-hmm. ou besoin collaboration tout le monde, mm-hmm. et surtout des influenceurs. Des influenceurs qui ont même capable de parler avec les grandes instances internationales, côté que vous-même, vous n'avez pas arrivé à parler. Mais vous avez des advocates qui parlent pour vous, qui parlent pour le pays, qui parlent, qui disent du bien de vous. Parce que tout le monde dit tout le mal d'Haïti. Et il y a très peu de monde qui dit du bien d'Haïti. Vous pouvez raconter sous main, combien de monde qui parlent pays, bien, je dis. Eh bien, Sean Penn, c'était une des gens. Dans le monde qui est un ambassadeur naturel pour Haïti, il était fait dans toute télévision. Mon affaire au préalant, il va parler d'Haïti. Donc, moi-même, qui sont à bas au monde comme ça? Pagan. Pagan, pas le diamant. Pagan, on va parler. Ça va lui faire un bagabalan. It's priceless. Donc, qui sont à bas? Au cabal, on tire reconnaissance. Au ballon titre. Ou dire, mon cher, son ambassadeur pour le pays, c'est ça le délivré. OK, mais comment aller à tout retirer ça pour lui tout. On est calé, il dit c'est pas ambassade, il va m'occuper, c'est pas occuper personne. Et puis tout bas. C'est bien dommage. Mon qu'on a parlé, mon qu'on a dit et pour Haïti ta fond ta ouais un changement. L'état concours j'ai fait tout possible pour retirer influence diaspora et dire pas les monde diaspora vienne faire rien dans pays. Mais moi dit mais c'est exactement ça. Nous besoin on lot we need a shift of perception, and that can only come from somebody who's been outside of the country long enough but still love the country and willing to do the best he or she can for the country. And it absolument. Sounds like that's where you came from. Absolument. Et c'est vous ça tout que you bloque diaspora comme ça, parce que faut comprendre que je dis la diaspora sont second class citizen que les en Haïti. Diaspora n'a rien aucun droit. Seul droit diaspora a gain, c'est voyer l'argent par la famille. Et nous voyons en pile. Et non seulement nous voyons en pile, nous représentons plus que 120% PIB pays. Mais est-ce que ça va apprécier pas du tout? Au contraire, je dis en la constitution qui bloque tout diaspora dans toute bagaille net. Diaspora n'a pas occupé aucun poste électif. Ou pas dans le parlement, ou pas dans le ministre, ou pas dans rien. D'ailleurs, vous avez dit à ce ou on passe qui parle, qui l'autre, qu'on passe au haïtien, ou vous presque indésirable. Donc, vous avez vu que diaspora, c'était comme si nous avons une forme de ATM, machine ou ATM machine, quand vous voyez comme, et puis après, ça devient une voie comme là, on ne va pas poser aucune question, on ne va pas dire rien. Pour qui ça? Parce que le système n'est contrôlé par des nantis. Et nantis, ça, ok, il y a même un compte. N'importe qui est-ce qui dégage une challenge autorité, yo. Autorité financière, autorité économique, parlez là depuis 10 d'antan, et yo gagne des années à faire barrer là, on jan, et puis ou même comme diaspora, ou pensez qu'on va là, nous, on va le dire, 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 parce qu'on connaît plus que yo, jamais de là, il y a bloqué de tous côtés. Donc c'est pour ça que et même pas j'aime comprendre. C'est qu'on y a moment ça comprendre. Pas j'aime comprendre que président Jovenel Moïse te gon projet constitution que il t'a fait côté que il t'a inclus diaspora. Il était pas diaspora 10% de parlement full droit politique ou gagne à voter ou gagne à magistrat ou gagne à même président sur TV. Li ba diaspora, ça diaspora pas j'aime rien en 200 ans. Et puis, qui sa diaspora a fait? Yo pa même comprendre ça, monsieur a fait. Et puis, yo tout a chuté sous lui. Yo tout a chuté sous la constitution. Même aussi, yo sa kabre ba yon doua. Kabre ba yon diaspora en doua qui inexiste en vous lieu. Mais à cause justement de la force de l'argent. Parce que nèg oligarque yo, nèg yo paye yon campagne diffamation et féroce comme président Jovenel Moïse. Et tout ça, elle ne fait pas bon. Or, je dis, il a fallu cette tragédie de la mort du président pour que. Eh bien, tout le monde s'est sous bluffé parce que le président lui-même. Qui s'est encore reproché?
Ça te gare reproché. Je dis en ouais que le tapé à pour qui ça le débé de faire. Il est mettre courant 24 sur 24 et alors. Et alors, son crime ça est couvert. Mais est-ce que le dégât faire en 2 jours, 3 jours? Non. Mais au moins il y a une volonté pour le faire. Monsieur achète une usine, 60 MW de General Electric, flambant neuf. Pour lui, mais bon, tout le monde, il va mettre gaz en Delcroix avant que tu aies un pénurie de gaz. Il va mettre gaz en Delcroix qui fait que tout le monde dans la route. Est-ce que c'est sérieux? C'est pour ça que je dis, ça veut dire que Bala a un sinistre là-dedans qui est incroyable. Ça veut dire que c'est des bars. Il a acheté une usine pour payer à lui, mais Delcroix là-dedans, bah le peuple là, quoi? Bah business au cours? Non. Ou plutôt quitter maintenant 10, 15, 20 jours blackout. Pour qui ça? Parce que il n'est pas bon pour vous. Le gain courant n'est pas bon pour vous. Même pas comprendre pour ça, le gain courant n'est pas bon pour vous. Parce que même moi, dit le peuple en bénéficie, tout le monde a bénéficié. Ça, vous n'avez pas qu'à ouvrir ça. Bon, parce que vous avez des gros intérêts okay, qui en jeu. Le gain courant, li ka bon pour peuple, mais pas bon pour gros intérêt. Mais kounye, le peuple a souffri, regarde ça, comment le peuple a tourné. Parce que voilà. Gen yo qui sont si dans Jean Oye, c'est des significant spies que yon yon cherche, qui fait ouvrir à faire tout crime ça yon. Absolument. Et mais justement, mais gen nan tout, ton résultat tout de mauvais traitement, de gens a tout pisi, peuple a fait, peuple a passé misère. Absolument. Problème a bay. De pour essayer de faire un petit bagage, vous n'avez pas de courir de pour essayer de faire un petit progrès, vous avez tout courir de yon. Tout ma qui, regardez, tout ma qui inimaginable, ça veut dire que vous n'avez pas même, explication même qui a compliqué pour qu'on comprenne. Parce que c'est pas tout le monde qui comprenne ça. Mais est-ce que vous avez une possibilité, is there a light at the end of this tunnel? Bon, light va se que vous changer le système là. Et pour commencer, j'ai un système de forger une constitution. Et c'est ça que le président Jovenel te comprend. Parce que l'on change la constitution, ou bien 5 millions d'Haïtiens de l'Europe payent un droit pour dire qu'ils sont dans la question du pays. Mais ils ne sont pas venus pour voir. Parce que même Isabelle, ou chita dans New York City, ou chita Miami, ou chita Chicago, et pour aller dans le consulat, ils font un vote pour le président. Vous augmentez. Attention. Mais là, par exemple, va pas compter le par exemple ou chita ou baradien hein, et puis ou quitter ces moun k'ap fè ces moun ou mandé al fè commission pour voter un tel ou pa aucun droit politique ni civique vraiment et puis donc, et puis vas-y donc tout autant que ça a pas changé tout autant que constitution en là pas aucun changement k'ap fè parce que constitution ça c'est lui même qui met pays là dans l'état côté nous, il y a ensuite avec un politique tout, un politique cadéjac, tout bien, il y a. Parce que l'autre politique ça, par exemple, nous avons fait un bilan. Nous avons fait un bilan. De qui ça fait pour contribuer pour aider la population sortir dans le problème de sécurité ça. Combien d'opérations policières qui fait contre gang? Combien de fois, combien de politiques mobilisés pour mener une action contre un gang, en nous prenant un petit macaque, combien d'opérations policières faites contre gang ça? Parce que gang, même quand on ne sait pas combien de gens, mais il n'y a pas de gang de mal. Donc, il y a un manque de volonté politique et il y a un effort qui fait tout par Nantio, ok, les gens qui contrôlent le système pour bloquer diaspora, pour diaspora, pas rien pour le dire. Parce que diaspora, il y a un gros monde là-dedans, il y a un gros docteur ou avocat. Yeah. Absolument. Quand des gens qui étudient à l'école, oui, eh bien, les gens aujourd'hui à la Constitution, mais tout le monde, carton rouge. Parce que si diaspora, même si la diaspora so willing to send billions of dollars to the country, right, to help their family, whatever it is, whoever it may be, they can do so much more if they had a voice. They can do, and then because their voice is different and they don't want that voice because it's different. Parce que nous-mêmes, nous partis, nous, ouais, ça l'autre pays. Pour comme ça, j'ai pas même si ça le déconduit. Il déconduit, voyez-nous tout étudier ici. Nous prenons le meilleur que nous sommes capables de prendre
en dehors du pays et puis tourner back dans le pays nous vin appliquer. C'est ça qu'il faut aller étudier à l'étranger. Absolument. Ou pas aller étudier pour rester. Ou aller étudier pour prendre ça pour prendre pour venir tourner une fois changement dans le pays. Hein. Connaissance c'est richesse. Absolument, absolument, absolument. Oh bon Dieu. Et c'est et bon, c'est à voir pour qu'est-ce qu'il le bagage ça a changé parce qu'on vous dit yo tellement bloqué, yo tellement moun yo tellement contre changement que yo pas ouais possibilité que même yo même qui contre changement yo t'a bénéficié. Mais bien sûr, mais ça gagne c'est que yo peur changement, yo peur incertitude changement parce que yo certitude là qu'on a c'est que j'ai à fonctionner, j'ai un système là là qu'on a bon yo. Yo pas besoin aucun monde. C'est ça. Mm, c'est ça. Donc before we conclude, I so appreciate everything. I'm learning so much with this conversation because I don't know as much as you do, of course, about Haiti. You were the prime minister after all. And I would like to know a little bit about you on the personal level. And because I know a lot of people wants to hear more about you and basically like we know what you did for Haiti, what your dream is for Haiti. So what's your dream for yourself within the next, I know you have your business, of course, your businesses, of course. What's your dream for yourself within the next 10, 20 years? Bon, bah, c'est que rêve là, c'est toujours occuper Manu, Kébé Manu. Occupé, ça veut dire lire livre, ça veut dire et continuer à éduquer et tout, continuer à apprendre, ça va essayer de faire chaque jour. C'est que chaque jour passe, je vais essayer d'apprendre que je ne sais pas, hier, pour que je sois capable d'éduquer. Mais parce que l'éducation, personnelle, là, son éducation qui est permanente. Par exemple, quand il y a un domaine à faire podcast, on va me battre dans un podcast. Parce que nous sommes mon grand pile et les mains apprennent bien, les m'écouter, mon mémoire auditive. Ça veut dire que les m'écouter m'enregistrer bien. Mais vous avez dans plusieurs podcasts, ok, sous toute qualité sujet, sous sujet business, sous sujet société, sous sujet santé, comment vous êtes en santé, dans santé préventive. Et ça, vous apprenez les formes de santé. Première fois, je suis venu à l'affaire étrangère, je suis allé à Cuba et je suis rencontré avec le président Fidel Castro. Et je suis chité avec Fidel pendant 3 heures. Je suis fait 2h58 minutes de parler. Je suis allé pendant 2 minutes, je suis allé à l'eau. Ça me dit. Mais parce que je suis en encyclopédie lui-même. Je suis qu'on a un pays d'Haïti, puis Diego, tout le monde. Je suis que tu as dit que faut que l'y est important. Pour continuer à éduquer tout de manière permanente. Donc, c'est ça m'a appris, c'est faire m'a suivre conseil ça et en pile l'autre monde. Parce que vous avez plusieurs plateformes d'éducation en ligne, livre, podcast, vidéocast. Et m'a bon, m'a dit en pile vidéo YouTube tout qui apprend en pile bagaille. Absolument. Et ça, c'est la nouvelle manière d'apprendre. Donc c'est ça m'a appris, c'est fait. Donc, c'est ça moi que je vais continuer. Et bien entendu, avec continuer tout dans faire sport, prévention, parce que sport c'est prévention. Pour ça qui passe en pile dans frère nous action, nous gars ça qui passe et frère nous et Mikaben, bon diable. Donc, faut que nous fassions check-up nous. Ok? Faut que nous allons, si nous avons problème tout. Problème stress et Haïti son pays qui a stress humain, ça donc faut nous retirer stress là et c'est ce qu'on va faire pour nous. Petit match nous le matin, mais essayer de faire chaque matin. Essayer de courir pendant 10-15 minutes chaque matin. Aller dans le gym, tout le temps, je vais bosser quelque chose, je vais faire boxe. Donc tout ça, c'est son processus éducatif et tout. Je vais motiver les gens pour faire ça tout. Et donc, remplacer ça, c'est continuer à apprendre, continuer à transmettre connaissance, apprendre connaissance, continuer à continuer à grandir, ok, et puis continuer à supporter dans tout ça à faire, bah un modèle pour suivre parce que la société là, l'organisation il va facile, l'organisation petit il va facile, mais continuer, venir un rôle modèle pour
Et puis, nous n'avons pas grand-pile de journal fait dans le monde. Donc, si vous avez été nous, eh bien, il faut continuer à assumer que chaque grain jour son jour, que vous avez quitté un bagage positif pour sa vie, pour la génération qui a vécu. Donc, c'est que ça me vit, moi. D'accord. Et puis, nous continuons avec Jésus pour que nous continuions à faire des pas dans la bonne direction. Et chaque jour, son pas lié, il faut essayer de faire dans la bonne direction et on va prendre un bon exemple pour sa génération future. C'est bien, it seems like you are tackling all at once, mind, body, and soul. Absolutely. Obligé, faire, pas assez, mais obligé. Yes, yes. And to conclude with what you said about your children, it's you have to be the example for them. And that's actually how you concluded in your book as well. That reminded me of that quote, example is not the main. Example is not the main thing in influencing others. It's the only thing. And that's you're quoting Albert Schweitzer. Yes, that's exactly what you just said. That's the best way to that's the best way to conclude the interview. I couldn't say it any better. Well, thank you so much. And now do you have a word for what would you say to the Haitians of Haiti and the diaspora as well? Well, continue souhaiter que situation va changer parce que nous tous d'accord sur un bagage. Bah, va continuer comme ça. Il faut que vous ayez changé. Il faut que vous ayez sécurité. Tight! Yes. Donc, c'est quoi ça me donne à conclure? Je salue tout auditeur, auditrice, toi. Je salue Isabelle, je félicite tout. Ou belle chose ça. Et pour faire mon équipe, les choses après le passé, je vais mettre sur toute plateforme. Tout le monde net ou les choses. Pour nous, les choses à monter net. Thank you. I appreciate that. Thank you so much. Thank you. And as always, I'd like to, before I conclude, I want to ask everyone who's watching and to subscribe to our YouTube channel. It's Candid Creoles on YouTube. And as always, I like to say love for Haiti, peace for Haiti, and blessings for all. Thank you. Thank you so much. It was a pleasure. Bye-bye. Thank you very much. Okay. Bye-bye.